ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ ثانية علوم رياضية، هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو تمرين رقم 3 ديال وطني ديال 2019، إكزارسيس نيميرو 3، الدورة العادية، يعني ليكزارسيس ديال لاغيتميتيك. وهنا غادي نشوفو أيضا بعض الملاحظات اللي ضرورية تعودو تردو ليها البال، سيغتو في ليزيكزارسيس d'arithmétique, qui n'est pas à les exercices d'arithmétique donc j'ai mon misère m'excelle là les autres exercices d'analyse ou de structure, surtout notamment avec les entiers relatifs on les a donc donc fait l'exercice. On admet voilà le nombre 2969 est un nombre premier. Voilà, d'accord. On va dire que soit nm deux entiers naturels, vérifions l'équation ou la congruence. Là, il y a deux questions. Il y a deux questions. Il y a 1 et 2. 1 fait A, B, C, D. On suppose que dans cette question, la question 1, on suppose dans cette question que le nombre ne divise pas 1. Attention, la supposition est la supposition. D'accord, on suppose dans cette question, les suppositions à quelle limite tu le mets. Alors là, petit a, en utilisant le théorème de Bijou, on a montré qu'il existe U appartient à Z, tel que là, de la congruence. La question m'a fait avoir. Ne divise pas. On a un sac de chit résigé, on dit. 2969 ne divise pas n. Et on met à 2969 est un nombre premier et premier. Donc, حسب les propriétés des nombres premiers, on a fait. S'il ne divise pas un entier, alors il est premier avec cet entier. Donc, ce nombre est premier avec n. Ça y est. Donc, d'après Bijou, ou bien l'identité de Bijou, il existe un certain couple UV appartenant à z au carré, tel que un chevaux en h bras en a en ma bras u fois n. Donc, on va dire u fois n, on va dire que le coefficient u fois n plus 2969 fois v égale à 1. Donc, si je passe à la congruence, j'obtiens U fois N plus 2969 V est congru à l'inégalité, c'est-à-dire congruence. Or, c'est un multiple de RADA, donc je peux le remplacer par 0. Donc, U fois N est congru à 1 modulo 2969. Voilà. C'est ce qu'il faut démontrer. Je vais faire la question. On déduit ces deux congruences. Elle dit, ouais, dit. Bon, alors a dit, U fois N, il a oublié U fois N. Mais il faut partir, elle dit, tout simplement. Donc, on a, n'oubliez pas l'hypothèse, attends, on a, on m'a floué, on a. Donc on a n à la puissance 8
plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo voilà, de 1969. Donc, pour avoir U fois M, donc je vais multiplier par U à la puissance 8. Et congru à 0 modulo de 1969. Donc, j'obtiens U à la puissance 8 fois M à la puissance 8 est congru à moins U puissance 8, N puissance 8 de 1969. Allez, je peux l'écrire, il y a U fois M à la puissance 8. Allez, je peux l'écrire, c'est moins U fois N à la puissance 8 de 1000. Voilà. Or, on a démontré que U fois N est congru à 1 modulo de 1969. Donc, U fois N à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo. La deuxième congruence, l'exposant, au lieu de 8, nous avons 2, 2968. Donc, il suffit d'enlever N à la puissance 371. C'est-à-dire, partons, on a U fois M à la puissance 8 est congru à 1, à moins 1, pardon, modulo 2969. Donc, on va élevé à la puissance 3701 congru à moins 1 à 371 par an. Donc congru à moins 1 à la puissance 371. Et donc, ceci c'est U fois M à la puissance 8 fois 371. Et là, moins 1 à la puissance un nombre impair, c'est moins 1. Et on obtient U à la puissance U fois M à la puissance de 1968 congru à moins 1 modulo de 1969. Question C, montrer que le 1969 ne divise pas cet entier. U fois M. Donc, après le résultat, on a U fois M à la puissance 2968 est congruent en moins 1. Donc, on a un raisonnement par l'absurde. Alors, supposons le contraire. Supposons que, voilà, 2969 divise U fois M. Alors, deux mille neuf cent soixante-neuf divise U fois M aussi à la puissance 2968. Voilà, 2968. Or, nous avons 2969 divise U fois M à la puissance de 1968 plus 1. Car, voilà, il faut justifier, car on a U fois M à la puissance de 1968 congru à moins 1 modulo, allez, d'après la question précédente. Donc, 2969 divise 1. Donc, il divise la différence, il y a les deux entiers, donc il divise 1, ce qui est bien sûr ce qui est faux. Voilà, et la contradiction, c'est une contradiction, ce qui est faux. Donc, notre supposition est fausse. Alors, 2969 ne divise pas U fois M. Donc, là, il y a la contradiction, tout comme voilà.
يعني والها شنو هي شي حاجه ما يمكنش تكون صحه شي حاجه ما صحهاش انه هذه ما صحهاش. Voilà. Question suivante, on déduit aussi de la congruence et on a la quatrième théorème de Fermat. Le premier qui est là, c'est le nombre 1. On a un donc là, on a avec la condition. Voilà, on l'a déjà démontré. Il suffit d'écrire. Voilà, on a 2969 nu divise pas U fois M et 2969 est premier, donc d'après Fermat, d'après théorème de Fermat, on a U fois M à la puissance 2968 est congru à 1 modulo 2000. Deuxième question. A. En utilisant les résultats précédents, montrez que 2969 divise N. Là, attention ici. Voilà, faites la question en asupposé. Ne divise pas. On a galé une montrée. Il y en a encore. Il y en a là, on suppose. Voilà, la vraie proposition est là. Voilà, c'est qu'il divise en fait N. Donc, il y en a ce qui est fait. Il a dit, normalement, doit nous conduire à une contradiction. Il y en a impossible ou tel a dit le Kawati. Voilà, c'est ce qui fait la question. Il y en a qui est très bon. Il y en a ne divise pas. On a dit. On a divisé, non, on a galé qu'on suppose qu'il ne divise pas, on a galé qu'on montre qu'il divise. Voilà, qu'il y a donc, on a une haoulou, mais on a une contradiction facile. La contradiction, bien, on a le nombre, il est congru à moins 1 et 1. Et donc, 1 est congru à moins 1. Bakemagoulouche, une contradiction, mais je peux dire que, donc, a de ce congruent, donc, incongru à moins 1, donc il divise leur différence, les y a deux, ce qui est faux. Ouais. Donc, un raisonnement, donc, le raisonnement de la radine du long, on va raisonner par l'absurde. Voilà, raisonnons par l'absurde. Raisonnons par l'absurde. Voilà. On suppose le contraire. Ne divise pas n. D'après la question 1, il existe U appartient à Z, tel que on a trouvé directement U fois m à la puissance 2000. 968 congru à moins 1 modulo 2600 2969 voilà. Et on a aussi U fois M à la puissance 2968 congru à 1 modulo, donc par transitivité de la relation congruence, 1 est congru à moins 1 modulo 969. Alors, divise 2, ce qui est faux. Et donc, notre supposition est fausse. C'est-à-dire, monde est là, est vrai, c'est-à-dire 2969 divise N. Deuxième question, ou bien question suivante. Alors, on vous demande de démontrer cette équivalence. Donc, une équivalence, c'est difficile de
de le démontrer par les équivalences successives. Donc, Annie du loup, double implication. Je vais démontrer l'implication suivante. Ni Adimchi par double implication. Elle a dit implique que n est congru à 0 modulo 2969 et n congru à 0 modulo 2969. Alors, pour démontrer, elle dit, on suppose on suppose que n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congrue à 0 modulo 2969 montrant que n est congrue à 0 modulo et m aussi. Alors, on a n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congrue à 0 modulo 2969. D'après ce qui précède, voilà, on a now 2969 divise n. Donc, n est congrue à 0 modulo 2969. Alors, n à la puissance 8 est congrue à 0 modulo 2969. Donc, m à la puissance 8 est congrue à 0 modulo 2969. Alors, 2969 divise m à la puissance 8. Or, 2969 est premier, puisqu'il divise cette puissance, il divise la base de cette puissance. Donc, m est congru à 0. Modulo 2969. Voilà. Et on a démontré la conclusion. J'ai démontré n congrue à 0 et ici n. Alors, pour la réciproque, voilà, on va montrer que si n est congrue à 0 et m congrue à 0, alors l'ensemble des puissance 8 et congrue à 0, là, évident, supposons que nous avons des hypothèses, montre AD, c'est évident, comme on a n congrue à 0 et m congrue à 0, les puissances congrues à 0, donc leur somme est congrue à 0 modulo 2969. Et alors, on a démontré l'équivalence.